L'interprétation de musique électronique est une de mes passions depuis un certain nombre d'années. Jusqu'à présent, il n'existait pas d'instrument numérique autonome doté des outils et de l'ergonomie dont j'avais besoin pour créer une performance dynamique. Ce que vous venez de voir est un exemple de ce que vous pouvez faire avec le Force. Dans cette vidéo, je vais donc décomposer les outils et les fonctionnalités que j'utilise pour construire cette performance. Cette performance commence avec un arpégiateur sur une progression de base qui vient du Force. C'est simple et agréable. J'ai juste mon accord fondamental ici, notre base. Je passe au deuxième, et je reviens. J'ai déjà créé un clip, c'est un clip de 4 mesures. Une fois qu'il atteint la fin, il boucle automatiquement, ce qui me permet de passer à l'étape suivante, le mode matrice. D'ici, je peux lancer des clips indépendamment des pads. Cela me permet d'avoir un flux de travail efficace lors de l'enregistrement, parce que je n'ai pas besoin d'être en mode launch. Je peux entrer ou sortir de mes clips et les lancer depuis les pads. J'ai un kick sur la première piste qui sonne comme ceci. Et je fais un fade-in avec le crossfader. C'est donc vraiment pratique d'avoir le crossfader ici. C'est comme un fader de volume. Considérant que nous travaillons avec de la musique électronique, ça donne l'impression d'être un DJ. Après cela, je repasse en mode launch. J'ai une ligne de basse que j'ai créée avec Hype. J'appuie simplement sur le pad et la lecture commence. J'ai un filtre assigné aux Q-Links. En fait, j'ai un filtre assigné à tous les Q-Links. Je peux l'amener plus lentement. C'est un excellent synthé. Et après que ça va tourner un petit peu, j'enclencherai la piste 7, qui comporte des percussions supplémentaires et un échantillon de caisse claire. Je vais jouer de la caisse claire via le séquenceur pas à pas. Je passe au mode step, je sélectionne la caisse claire que je veux. Ensuite, il suffit de faire glisser mes doigts sur les pads afin d'activer les pas. Puis, je remonte le filtre sur la caisse claire. Vous pouvez l'entendre un peu. Je retourne alors en launch. Je déclenche une voix.
C'est tout ce qui se passe avant le corps du morceau. C'est juste une question d'utilisation des cue links pour créer le suspense, avant que je déclenche la scène. Après ce passage, ce que je fais pour créer plus de suspense, j'arrête tous les clips et je baisse rapidement cet échantillon vocal. Et je poursuis avec le lancement de la scène. Tout ça se passe en une mesure. Après avoir arrêté les clips, j'arrête la lecture, j'arrête tous les clips et je lance la première scène. Une fois la première scène lancée, je peux passer à la batterie et commencer à ajouter d'autres éléments. Je le fais d'abord avec l'arpégiateur activé sur la batterie. Une sonorité très techno et un clap. Une fois la phrase terminée, je commence par les hi-hats, que j'enregistre dans le Force. Vous verrez que les pas sont ajoutés dans le séquenceur pas à pas, puis j'utilise Select pour choisir discrètement le premier hi-hat ouvert et je l'ajoute. Après 4 mesures, je sélectionne le second hi-hat ouvert. Le voilà. Ensuite, la deuxième scène sera lancée. Je vais alors couper le son du kick. Je baisse un petit peu. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti pour cette seconde scène. À ce stade, il est très facile de conserver la dynamique de la piste grâce au kick. Je sélectionne discrètement le kick. Choisis une vélocité faible avec le séquenceur pas à pas. Écoutons cela quelques fois. Notez où elle se trouve. Vous pouvez utiliser ces combinaisons si vous le souhaitez. Elles sont très classiques. Des choses standards, mais encore une fois, des petits plus en rythme, car ajoutés avec le séquenceur pas à pas. Après avoir fait ça, je quitte le mode enregistrement et je lance la piste 5. Direction le mode notes. Je laisse tourner la scène pendant un petit moment. J'ajoute alors quelques harmonies supplémentaires. Et ensuite, je vais faire en sorte de tout mettre en valeur. Je le fais en maintenant le pad appuyé, puis j'arrête les clips. Ensuite, je peux passer en revue ces différentes progressions, mais en même temps, j'ouvre le filtre sur la batterie et sur la basse jusqu'au bout avant de lancer la scène finale. Elle est pleinement mise en valeur. Il ne reste plus qu'à trouver comment conclure la scène. Je baisse la batterie. C'est un peu rapide, mais vous comprenez l'idée. Il s'agit simplement de mettre en commun toutes ces techniques pour créer une performance. Il faut faire certaines choses en amont de la performance. Par exemple, l'assignation des cue links. J'ai assigné un filtre pour chaque piste aux cue links et je l'ai fait dans le menu Master Knobs. Il y a plusieurs modes différents dans lesquels vous pouvez aussi assigner les cue links, et je l'ai fait sur ce projet. Cela signifie que je peux assigner n'importe lequel paramètre du mixeur ou d'une piste ou n'importe quel effet sur l'ensemble du projet. Je vais vous montrer comment j'ai paramétré les cue links. Je vais commencer par la batterie, en lançant un clip dans la matrice. C'est ma partie de batterie complète, aussi évoluée qu'elle l'est tout au long du morceau. Je peux couper le son du kick à tout moment à l'aide de ce potentiomètre. Et je l'ai préassigné pour pouvoir le faire indépendamment des pads du mixeur. Je peux le réactiver si je le souhaite. J'ai un filtre sur le deuxième potentiomètre, donc je peux filtrer les batteries si je le veux. J'aime bien estomper le son de ma batterie avec un filtre, parce que je trouve que ça sonne plus propre en balayant l'ensemble du spectre de fréquence. Cependant, si je voulais, je pourrais aussi utiliser le crossfader. Sur le troisième cue-link, j'ai un synthé qui n'entre en scène que pour environ 16 mesures à la fin de la performance. Mais si je voulais le jouer dans un club, je le jouerais plus longtemps. Laissez-moi vous montrer de quoi ça aurait l'air. Ça me revient à l'esprit, lorsque j'ai composé ces clips, j'ai utilisé une partie du mode Notes. Je suis passé par Scales,
Puis j'ai fait commencer les rangées de pads par la fondamentale. En fait, ce qui a été fait à l'origine, c'est juste de gratter les pads. Puis, quand je l'ai enregistré, j'ai oublié de désactiver la quantification. Ça donnait ça. C'est en définitive ce que je préfère à la fin. C'est très amusant. Jouer dans ce mode avec le mode en route de la gamme Si entre les deux, et je suis dans la gamme mineure naturelle pour celui-ci. Le filtre est affecté au troisième contrôle Q-Link. Sur mon quatrième contrôle Q-Link, j'ai la basse principale. Je commence par filtrer les basses fréquences et je l'ouvre avec le temps pour soutenir le suspense. Écoutons la ligne de basse. Passons à l'interface utilisateur. J'ai ici un tube synth, c'est comme un synthé analogue. On a bien la chaleur du son analogique. Sur le cinquième Q-Link, j'ai un filtre pour la piste vocale. Laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai actuellement trois différents échantillons de voix. J'ouvre doucement le filtre. Voici la seconde partie vocale. Sur le sixième Q-Link, j'ai le filtre le plus utilisé dans toute la performance, qui est assigné à mon synthé Hype. Si je le ferme, il est soft. Mais si je l'ouvre, il devient vraiment agressif. Sur le Q-Link numéro 7, c'est au tour de ma caisse claire d'avoir un filtre. Je lance donc la rythmique et j'active le filtre pendant la lecture. Pour donner du suspense, et celui qui n'est pas forcément le plus audible en termes d'effet, c'est le sustain sur les cordes. Vous pouvez l'entendre quand je lance la piste 6. Si je descends le filtre très bas, vous pouvez à peine l'entendre. L'effet n'est pas énorme, mais c'est quelque chose que je voulais contrôler au cas où je voudrais atténuer le son des cordes au cours de la performance. Voici donc pour l'utilisation des Q-Links. Je vais vous présenter certaines techniques de navigation qu'il vous faudra connaître. C'est comme jongler d'une voie à l'autre. Vous pouvez sélectionner des pistes dans la vue matrice. Mais dans cette performance, je navigue rapidement à travers les pistes via les boutons Record Arm. La compréhension des commandes pour le passage d'un mode à un autre est un élément clé. Lunge, Note, Step Sequence et Matrix sont les quatre vues principales que vous allez devoir croiser pendant vos performances. L'un des avantages dans l'ergonomie du Force est la façon dont l'écran, les pads et les boutons interagissent collectivement. L'écran fonctionne de manière indépendante, donc je peux lancer des clips, contrôler des enregistrements, jouer des scènes, faire tout cela à l'écran pendant que je joue sur les pads, tout en ajustant les Q-Links, ou je peux faire en sorte que l'écran réagisse en fonction du pad sur lequel j'appuie. C'est vraiment à vous de décider comment vous voulez que l'écran suive l'évolution de votre performance. Comme vous l'avez compris, le Force offre assurément les outils et l'ergonomie qui rendent l'interprétation de votre musique plus simple que jamais. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et nous attendons avec impatience de voir vos productions avec le Force.